Une amende record pour le géant du commerce en ligne Amazon. Ce jeudi, le gendarme de la concurrence italien a condamné la firme américaine à payer 1,128 milliards d'euros pour pratiques jugées anticoncurrentielles. Concrètement, il lui est reproché de désavantager les vendeurs qui n'utilisent pas le service logistique de la marque. L'autorité estime qu'ils sont exclus d'un ensemble d'avantages essentiels pour obtenir, je cite, « une visibilité et de meilleures perspectives de vente ». Amazon a annoncé faire appel de cette décision. L'amende infligée a été calculée en fonction du chiffre d'affaires mondial d'Amazon, soit plus de 330 milliards d'euros en 2020, un chiffre en hausse depuis le début de la pandémie de Covid-19. L'entreprise de Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches de la planète, est régulièrement visée par des procédures judiciaires à travers le monde, et notamment en Europe. Elle a ainsi écopé en juillet d'une amende de 746 millions d'euros au Luxembourg pour non-respect de la nouvelle réglementation européenne sur les données privées des internautes.